Juste à Addison, vous intriguez, Pierre. Oui, j'ai toujours trouvé étonnant, il y a énormément d'ombre, même l'après-midi, l'impression de jouer un peu dans une grotte. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi, ce sont les Français qui engagent. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Alors voyons l'organisation que l'entraîneur a choisie pour son équipe aujourd'hui. Elle va jouer cette rencontre en 3-5. Ah oui, bien donné, allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. L'arbitre avec le poteau de corner. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Léo Messi qui frappe. Et sortie de but donc. Gareth Bale. Avec Gareth Bale. C'est-à-dire que le foot gallois a enfin trouvé. Avec un tir. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Le corner, ça peut être dangereux. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Ils ont continué à progresser, attention. David Alaba. David Silva, il était bien placé pour intercepter cette passe. Il est un petit peu cerné là. David Silva, la passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ousmane Dembélé. Paul Pogba. Ils reprennent possession du ballon. Ça n'ira pas plus loin. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Tiens, regardez cette erreur monumentale du gardien. Oui. Là, il est clairement pour lui. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. N'Golo Kanté. Griezmann. Ah, il va devenir dangereux. Paul Pogba. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Attention, il n'y a plus que le gardien. Antoine Griezmann. Oh oui! Pour savoir fait le plus dur, ils encaissent un but juste après avoir marqué. Et ils égalisent donc un but partout. Ben. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Ousmane Dembélé. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Antoine Griezmann. La défense qui récupère. N'Golo Kanté. Benzema, attention à lui. Oh, c'était juste et dangereux. Ah, la faute commise sur le joueur français. C'est un coup franc. Benjamin Pavard. Ousmane Dembélé. Ah, il n'y a personne pour reprendre ce bon centre. Dembélé et Ali. Bale. David Silva. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Benzema à la frappe. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon. Magnifique. Ah, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. Il lui rend, première intention. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe de virer en tête si elle marque. Attention. Allez, pleine sur. Raphaël Varane. Ah, il n'a pas réussi à la rabattre. Non, il a mal jugé la trajectoire. Sinon, il était plutôt bien placé. Ouais, très bien contrôlé ça. Peut-être une bonne opportunité, attention. La position de hors-jeu pour Karim Benzema.
La passe est interceptée. Attention, il a du champ devant lui. Daï qui continue. Il cherche arrière. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Oh, qu'elle était belle cette tête. C'est le montant qui la repousse. Ouais, rien à dire comme ça. Là, dans ce cas-là, tu peux employer le fameux « si elle était dedans, c'est pareil ». Alors qu'en fait, non, c'est pas pareil. Parce que ça n'a pas fait but. David Silva. Les 30 derniers mètres. La bonne conduite de balle. Attention à la frappe. Le gardien, c'est pas fini. Ah non, le ballon est perdu. Dembélé, Ali. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Benzema. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. En difficulté qui se retrouve mené alors que le jeu reprend. Ah, peut-être une situation intéressante là. Le centre adresse. Ouais, la tentative. Eh non, ils n'égaliseront pas sur cette action. C'est quand même dommage d'être aussi maladroit dans des moments aussi importants. Il s'avance vers la surface. Attention, attention à Léo Messi. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Le buteur qui avait bien sûr toutes les chances de marquer à cette distance. Il n'a laissé aucune chance au gardien. Nabil Fekir. David Silva. On s'approche de la zone de vérité. Voilà, c'est chaud avec Messi. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Et centre pour David Silva. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage hein, pour le joueur qui filait. Gareth Bale. Benzema. Gareth Bale toujours. Et ce sera un corner. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Oui, bien coupé. Allez, c'est la mi-temps. Alors, voyons l'organisation. Ah oui. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Ouais, un bon ballon d'attaque. Nabil Fekir. Pogba. David Alaba. David Silva. Benzema. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. On écarte le jeu. Nabil Fekir. Dembélé. Oh là là là, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Dele Alli. Ça part bien, action dangereuse. Ah, il va marquer. Karim Benzema. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Samuel Umtiti. Bale. On s'approche du but.
Il peut être dangereux, il peut être... Attention, attention à Léo Messi. Ah, le but de Léo Messi. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Benjamin Pavard. Ouais, joli, le 1-2. L'équipe de France qui part à l'attaque. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Oh oui, encore une bonne passe. David Silva. Ah, le bon ballon de Benzema. Voilà, c'est chaud avec Messi. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ouais, les bleus, cette touche. Ousmane Dembélé. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Ouais, le ballon piqué. Benzema. Attention, il a du champ devant lui. Paul Pogba. Ça peut être... Ah, la passe en profondeur, attention. Le ballon en tout. L'équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. La sortie de Karim Benzema. Je trouve qu'il a fait un match assez intéressant avec un but à son actif et une action où il a manqué de chance puisque son ballon est venu s'écraser sur le cadre. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Pogba. Peut-être une situation intéressante là. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Avec un tir. Ce défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Oh là, cette tête. Qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Attention, ça peut être dangereux. Et le tir de Luis Suarez. Oh, c'est repoussé par le montant. Oh, la frappe incroyable. Surpuissante.